verre pour ta tante. Des capsules, des bouchons, des semelles qui sentent un peu la vieille béchamel. Les connaisseurs vont dans les petites allées cachées. De bon matin, les teints négociés. Y'a aussi le carré des biffins qui vendent des babioles de crève la faim. Y'a de la frippe, des chemises en tas qui sentent la frite, des pantalons, des paires de chaussures qui pas de bol n'ont pas la même pointure. Quatre barbus tiennent par les coins un grand drap blanc. Pour la mosquée, ils veulent de l'argent. Ça fait 50 ans que dans les faubourgs, Mahomet à Jésus tire la bourre. Tant y'a même le capitaine Haddock. Des chaises et des tables un peu branlantes. Des prix qui te laissent la langue pendante. Les anges potelés trouvent toujours un preneur. Même le Saint-Simon du bouquineur. Des grilles et des tables tout en ferraille. Même à trois tu fais pas la taille. Même à trois tu fais pas la taille. Même à trois tu fais pas la taille. La fidèle l'assit debout dès qu'on lui dit assis. Qui me trotte sans cesse dans les basques. Où que je sois, quoi que je fasse, je ne peux pas la laisser chez moi. Elle arrache tout, même le bois. Elle laisse en lambeaux mon sofa. Lors de mes rendez-vous d'affaires, comme Gaston et de Metzmecker, souvent croque-t-elle les mollets. Mes clients sont des charolais. Sur mes contrats, je passe le balai. Et tout ça grâce à qui? La fidèle lassie qui m'aime tant que quand je prends 15 jours de congé, c'est le moment qu'elle choisit pour tomber malade. Changement de trip chez le véto. Elle rend tout, c'est vraiment pas beau. Session chiffon, fini le vélo. Comme des faïences toute la journée. Des fauteuils, nous faisons la tournée. Elle a la truffe comme un bolet. Il en sort un jus d'œuf mollet. Elle a même chié sur mes billets. Comme à mon voyage un pamphlet. Mais qui me force à rester ici? La fidèle lassie, quand après une cour assidue auprès d'une blonde ingénue, j'arrive enfin à l'inviter
On s'apprivoise autour d'un thé. On parle de tout sans se limiter. Je l'imagine allongé nu, ambiance feutrée, j'ai tout prévu. Quand on entre dans l'appartement, une vraie crise d'éternuement vient interrompre nos ébats avant même qu'on enlève le bas. Voilà que la belle allergique fait un choc anaphylactique. Et c'est le poil de qui ?